Gravity is not a problem. Gravity? What gravity? To have the wind swirling around you. To experience the rhythm of the music. To time your pulse to the music. Give in to your passion is the motto of our personalities. This is Le Joie de Vivre. These are not just the personalities of our movie. These are people leaving their mark in contemporary culture and ultimately writing history. Removing me everything from my head and just living the instant and enjoying it as it is. So this is a good point because you have some personal issues, some bad days or so. When I'm like this, I just put my skates on, I go to skate, the cones are telling me some nice story, hey please skate me, so I can just enjoy my slalom time and it's just great without thinking of the issue, and it can really change my mood into something better and ready to fight against my issue when I remove the skates later. So I'm Igor Sheremetyev. Le côté artistique en roller est venu pour ma part vraiment très tard. En fait, c'est par le retour des gens qui commencent à s'intéresser à ce qu'on fait. Et plus les gens s'intéressent à ce qu'on fait, plus forcément on a envie également d'avoir un retour et de plaire aux gens. C'est un petit peu un jeu de séduction mutuelle. C'est-à-dire qu'au départ, le public est séduit par ce qu'on fait et ensuite on tente de séduire nous-mêmes le public. Et de ce côté-là, on fait une recherche artistique. Mais ma démarche au départ était purement sportive et technique. Et étant très très souvent sur le spot de Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris est le lieu de spectacle sur Paris et du coup forcément il y a un jeu de séduction entre le public et le roller. De ce côté-là, on commence à faire une démarche artistique et à essayer de rendre le côté sportif plus gracieux et pour avoir le plus d'applaudissements possible et de se flatter un petit peu son ego. Et
Mais le côté vraiment motivant pour moi, c'est quand les gens me disent « Vous m'avez donné envie de faire la même chose ». Là, pour moi, c'est là toute ma réussite, c'est de donner envie aux gens ce goût de faire ce que je fais et de partager ma passion et pas uniquement de faire du spectacle. Donc je ne me qualifierais pas du tout comme un artiste, mais plutôt comme une personne qui veut entraîner les gens dans la passion et motiver les gens et les pousser à être le meilleur possible. Je me présente, je suis Nicolas Lété, plus connu dans l'univers du roller sous Nicolas Natsu. How I can describe my style by skating? I like to be different from the guys, from the men, and look like a girl to skate and be more graceful more graceful. I like doing some easy trick, but well done, you know, like really not stylish, but something like that. Yes, I want to do the trick perfectly. Les fanfarons de Paname sont un projet burlesque. C'est une équipe de rollers amateurs qui évolue dans la danse, dans la joie et la bonne humeur, sur roller, afin de partager un moment de joie entre les personnes, les spectateurs et nous-mêmes, puisque nous partageons aussi bien notre passion avec les gens. Je fais le vide et je reste en connexion avec les gens. Je me concentre et je fais le vide avec les gens. C'est-à-dire que je suis réceptif à ce qui se passe et je suis concentré sur ce que je fais. Alors quand les gens tapent des mains, ça nous remonte le moral, ça nous encourage, on se sent pousser des ailes et on a la force avec nous pour continuer. Même au-delà de la fatigue, on a une envie de continuer et de résister à la fatigue et continuer à donner cette bonne humeur. Je m'appelle Marc Angel. Io ho scelto il pattinaggio come sport perché è davvero una cosa bellissima che ti dà un senso di libertà incredibile e sono convinto che basta provare a mettersi su un paio di pattini e provare a pattinare che sicuramente chiunque può capire quanto è bello pattinare. Sicuramente chi prova può capire quello che sto dicendo. La mia impressione del tempo quando pattino è quando voglio andare veloce, in realtà non penso al tempo, penso a quello che sto facendo. Penso a fare i miei movimenti in maniera corretta, penso a che mi sono preparato, mi sono allenato e so come si fa il gesto tecnico, il gesto atletico. E quindi cerco di farlo velocemente ma in maniera corretta, in maniera pulita, in maniera precisa e solamente fare in maniera precisa il gesto tecnico mi permette di andare veloce. Questa è la definizione di velocità per me. Non penso ad andare forte ma penso a fare le cose bene.
e poi automaticamente vado forte. Mi è sempre piaciuto essere, correre forte, andare forte. Con i pantini posso andare ancora più forte che con le scarpe. Posso andare molto forte e lo speed slalom, che è la disciplina che io faccio, che mi piace di più, e mi permette di correre, partire da fermo, prendere una rincorsa cercando di andare al meglio, più veloce, e poi ho uno slalom che è una prova che mi fa provare la destrezza, rimanere concentrato, calmo per quello che sto facendo. Comunque penso che quando sto facendo lo slalom, mentre sto facendo il mio speed slalom, mentre sono nei coni, forse il tempo è possibile che si rallenti leggermente, perché ogni singolo cono arriva piano piano e sono concentrato e li vedo tutti quanti. Il mio percorso di gara nello speed slalom prevede una partenza da fermo di 12 metri. Dopo i 12 metri ci sono 16 metri di coni, birillini. In totale sono quasi 30 metri. E il tempo che ci impiego è 5 secondi o meno anche. E ovviamente cerco sempre di farlo al meglio delle mie capacità. Sono Simone Nai Oleari. La toute première fois que j'ai fait du roller, j'étais vraiment petite, je devais avoir 4-5 ans. Ça, je me rappelle pas vraiment, j'en ai pas beaucoup fait à cet âge-là. C'est vraiment à l'âge de 10 ans, quand mon club a ouvert dans ma ville. Une amie m'en a parlé et du coup, on a décidé d'aller ensemble faire le cours d'essai. Et depuis ce jour-là, c'est vrai que j'ai pas arrêté, je suis plutôt restée dans mon club. À ce moment-là, j'avais mon coach de roller qui immédiatement m'a proposé de faire partie de l'équipe de compétition, ce que j'ai tout de suite accepté. Et c'est vrai que à ce moment-là, je savais pas qu'aujourd'hui j'aurais le record mondial, que je ferais beaucoup de compétitions, que ce serait une vraie passion. Je m'appelle Maëlys Conant. My style of skating evolve every time. Yeah. I've been practicing, like starting by ball, so pretty much aggressive, and like for a few years, then after I got like big wheels, free skate, to do free ride skating. So yeah, I evolved in this both discipline, like free ride and aggressive skating, like for pretty much most of my life. But I'm not kind of guys who like to perform a competition. I'm not that good for that. So sometimes when I feel great, I'm doing the competition. But I'm not like really going too far on it. So my skating is much more like having fun with my friends and like not training at all. I'm just skating when I want to skate
and when I don't want to skate, I'm not, how to say, putting pressure to myself to get better and better. I'm like, doesn't matter, like I'm just evolving as I want. And also free ride give me this thing that I don't need to go out with friends to skate. Like I can put my free ride going to work, going to whatever I want to go, like get some bread or I don't know, like just put my skate on, sketch the car, like having fun by my own. My name is Anthony Finocchiaro. Mon style, je le définirais, il faut que visuellement ça me corresponde. Faut que visuellement les figures que je fasse, je les aime déjà visuellement et je les essaye petit à petit. D'abord lentement et après rapidement. Et si j'y arrive, tant mieux, je suis content. Donc, j'ai fait de la compétition pendant 5 ans environ. Et il fallait que je fasse des choix pour ma carrière. Donc je pouvais pas gagner ma vie avec le roller. Parce qu'il n'y a pas encore assez d'argent dans le milieu. Donc j'ai mis un peu de côté les compétitions pour me consacrer à la photo de mode. J'ai mis beaucoup de temps dans la photo, donc j'ai arrêté les compétitions, mais c'est pas pour autant que je reviendrai pas en compétition par la suite. Je m'appelle Boris Rosebroy. J'adore rouler, avoir les cheveux dans le vent et me servir du matériel urbain pour avancer. Et j'adore rouler avec les copines. Et bah, pour le coup, dans le derby, on fait que du quad. C'est que du quad. Donc voilà, je dirais que c'est le meilleur, tout simplement, parce que c'est celui qui est dédié au derby. À la base, je faisais du full contact, donc c'était plutôt du sport individuel. Et après, j'ai essayé beaucoup d'autres sports. J'ai fait pendant très longtemps aussi de l'équitation, où là, c'est un peu différent. Tu lis avec un animal, donc c'est complètement différent. Mais j'ai fait du snowboard, les sports de glisse, même du surf, même si c'est très difficile le surf. Mais j'ai fait du snowboard et ça va à peu près. Les sports de glisse, en général, c'est grisant. Avoir de la vitesse, savoir que tu peux chuter sans pour autant te démembrer, c'est pas mal. Et voilà, moi, c'est ça qui me plaît aussi dans le fait de patiner. C'est que c'est grisant et que pendant un short time, tu vas oublier tout ce qui t'arrive. Juste les pieds au sol et en train de pousser pour aller nulle part. Même, t'as pas besoin de destination particulière. Juste pour rouler, sentir tes cheveux et réessayer, entre guillemets, de retrouver les éléments dans la ville, dans l'univers urbain, ce qui est très difficile quand même. Mais le vent fait partie, le soleil, la pluie, voilà. Recevoir tout ça dans la figure en même temps que tu fais du roller, c'est super. Je m'appelle Sailor Blood. Hey, my name is Alex. I live in Paris. It's been more than 15 years I'm playing hockey.
I started as a high hockey player, and now as a hobby and during the weekend I play with my friends here in this beautiful place of the Invalides. I work as an international business developer in a French company that is selling e-learning. And one of my favorite hobbies is to play hockey with my friends here. Hi, my name is Lenny Glosman. I've been playing roller hockey for 15 years now. I actually started right here at the Invalides when I was 12 years old. Came here, just started rollerblading. I thought it was really fun. And then I saw people playing hockey, and I've been playing every weekend for 15 years now. So I picked hockey because I used to live in the US and in Canada when I was young. And in Canada, the hockey is like a big game there. So I started playing hockey when I was 5. And since that time, I keep playing with my friends and during the weekend. I eventually got really passionate by the sport because I love it. And I started playing in a club, and now I'm actually coaching in the club and president of my hockey club, Samouraï de Gennevilliers. So the Samouraï of Gennevilliers is an association, a non-for-profit, and we just all come and play hockey, all kinds of levels, men, women, from 8 to 60 years old. So what La Joie de Vivre means to me, and how it's related to hockey and to roller skating, is really because I think that sports bring people together, and it helps people talk and discuss, and you meet new people coming from many different situations and many different countries, and it's really something that I like, because you're always having fun with your friends, and you're playing hockey and having fun, and releasing the pressure of the week is a really nice thing. We all love this project, the Joie de Vivre. It's our joie de vivre to play hockey all the time, whenever we can, weekdays, weekends, whenever it's pretty, whenever the sun lets us.